Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par la lecture d'un message du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, adressé à Sa Majesté Charles XVI, Gustave Roy de Suède, Stockholm. Majesté, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Royaume de Suède le 6 juin 2023. J'y joins mes vœux de santé et de bonheur pour votre Altesse, pour votre illustre famille et pour le peuple ami suédois. J'ai saisi cette occasion solennelle pour me féliciter des relations d'amitié, de coopération et de fraternité qui existent entre le Tchad, mon pays, et la Suède. Je réitère ma pleine disponibilité à œuvrer de concert avec votre Altesse au développement de ces relations au bénéfice mutuel de nos deux peuples. En vous renouvelant mes sincères souhaits de bonne santé et de bonheur pour vous-même, pour votre auguste famille, de bonheur et de prospérité pour le peuple danois tout entier. Veuillez agréer, Majesté, avec mes hommages, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Le message est signé, général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État. Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, une mobilisation peu habituelle dans cette cité pétrolière puisque le chef de l'État s'y trouve depuis la mi-journée. C'est la première étape d'une tournée qui le conduira dans plusieurs localités de la partie méridionale du pays. Un accueil de grand jour lui a été réservé. Le film de l'événement avec Dibrine Noualouali. L'attente a été longue pour les centaines, sinon les milliers de Logonais qui se sont mobilisés pour l'accueil du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Ils ont mis de côté les moments difficiles, nés des malheureux événements, et ont décidé, comme un seul homme, de marquer d'une pierre blanche cette visite. Ce n'est pas le soleil non plus qui a pu dissuader cet enthousiasme perceptible tout le long du parcours que doit emprunter le cortège présidentiel et surtout à l'aérodrome. L'allégresse mêlée à l'honneur perceptible dans les visages sont également exprimées dans les pancartes et banderoles qui jalonnent les rues. Le point culminant de cette mobilisation a été l'atterrissage de l'avion présidentiel suivi de l'accueil officiel. Émerveillé par la forte mobilisation, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu dès sa descente les salutations du gouverneur de la province, général Ahmad Dari Bazine. Des pigeons sont offerts par deux petites fillettes à l'hôte de la province qui les lâche en l'air. Viennent ensuite le commandant de la zone de défense numéro 9, général Mohamed Hamouda Béchir, avec à ses côtés les commandants de plusieurs corps, ainsi que le maire de la ville de Doba, Lamlingar Ngarsidé. Puis le chef de l'État est invité à passer en revue les troupes rangées pour lui rendre les honneurs. Il salue les couleurs nationales et va inspecter les différents détachements. Aux cadres ressortissants, membres du gouvernement, conseillers du chef de l'État, conseillers nationaux de transition, chefs des unités administratives, leaders traditionnels et religieux ont eu droit à la poignée de main. La file des officiels est interminable à l'image de la mobilisation populaire. Du haut de sa voiture et d'un geste de la main, le président de la République salue la foule. Une façon pour lui de dire merci pour cette mobilisation historique que les populations du Logone oriental ont voulu mémorable. Elle traduit également les fortes attentes et l'espoir suscités par cette visite présidentielle qui intervient à un moment où la province tente de soigner ses plaies suite aux récentes violences, le tout dans un contexte social, économique et sécuritaire difficile pour la province. Sans doute que ces questions seront abordées au cours de la rencontre que le chef de l'État aura avec les forces vives du Logone oriental. Peu avant de prendre le vol pour Doba, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé une audience au nouveau président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Balthazar Angonga Idjo.
Cette audience intervient 73 heures après l'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement de la commission de la CEMAC devant la Cour de justice communautaire à N'Djamena. Nassour Nouditi. C'est le 2 juin dernier, à N'Djamena, devant la Cour de justice communautaire et en présence du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, que le nouveau membre du gouvernement de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, dont le président Balthazar Engonga Ndjo avait prêté serment. Ce lundi 5 juin 2023, s'est revêtu de ses attributs et prérogatives du président en exercice de la commission de la CEMAC que l'Équato-Guinéen Balthazar Engonga Ndjo franchit pour la première fois les marches du palais présidentiel pour échanger avec le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, sur la vie de l'institution communautaire dont il tient désormais les rênes. Il est accompagné du nouveau commissaire de la CEMAC, notre compatriote Ngabo Sely Mbogo. L'audience a duré une heure et s'est déroulée en présence du ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, et des proches collaborateurs du chef de l'État. Le président en exercice de la commission de la CEMAC déclare, au sortir des discussions, avoir échangé avec le chef de l'État sur sa vision pour cette institution sous-régionale durant son mandat qui durera 5 ans. L'équipe dirigeante de la commission aujourd'hui a un programme de réaliser des missions circulaires pour voir tous les chefs d'État, pour faire le tour dans tous les pays membres de la CEMAC et pouvoir informer l'agenda de notre travail après la prise de nos responsabilités. Nous allons faire ensemble une réflexion, une programmation des actions que nous allons exécuter pendant les 5 années. Ces réunions, ces concertations n'ont pas encore eu lieu, mais nous le ferons et nous allons informer à tous les États pour nos actions que nous allons réaliser dans les principes que nous avons nous tous choisir pour gérer la communauté, c'est-à-dire la solidarité, la collégialité, l'égalité, la transparence et la justice. C'est le principe de base de notre philosophie qui va nous permettre de développer nos actions pendant les 5 prochaines années. L'audience accordée par le président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, à la nouvelle équipe dirigeante de la CEMAC est la première d'une série qui les conduira dans 5 autres pays membres. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Galingo Tegata, a présidé ce midi au palais présidentiel Touma la première réunion du comité de lutte contre la mendicité. Nassour Nouditi nous en dit plus. À N'Djamena, comme dans les autres grandes villes du pays, la mendicité prend ces derniers temps une ampleur inquiétante. Elle est devenue presque une gangrène sociale, pour ne pas dire un phénomène social. Sur haute instruction du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, un comité de lutte contre cette pratique est mis en place. Ce comité a tenu ce 5 juin au palais Toumaï une réunion sous la présidence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Dr. Galingo Tegata, en présence du secrétaire général adjoint de la présidence, Dr. Mohamed Borgou Hassan, et des membres du comité. Brahim Béchir Murtala plante le décor. Le chef de l'État lui-même a exprimé une volonté ferme et une instruction claire qui consiste à dire ce n'est plus possible d'avoir des enfants dans la rue, ce n'est plus possible d'avoir toutes ces exploitations qui sont contraires à la loi. Et à partir de là, il a dit fermement et avec une volonté affichée qu'il faut à un moment sortir de cette situation en travaillant pour non seulement pour la lutte, mais pour l'éradication définitive du phénomène de la mendicité, du phénomène des enfants de la rue et de ce qu'on appelle finalement les muhajirines. Ces comités contre la mendicité est multisectoriel. Chérif Alati Galma,
secrétaire général adjoint du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, nous en dit un peu plus. C'est vrai qu'on s'occupe de la protection de l'enfant. Et tout à l'heure, on a expliqué, nous avons un programme d'éradication des mendicités. Et ces fléaux, c'est une réalité. Nous avons des enfants de la rue, des enfants mohadjirines, des enfants non accompagnés. Et tout ça, nous allons nous retrouver dans le cadre de la coordination à la présidence pour trouver des solutions dans l'immédiat. Présent à cette rencontre, le ministre de la Formation professionnelle, des métiers et de la microfinance, Ousmane Moussa Mahamat, décline la vision du gouvernement. La question des margarines est une question non seulement d'ordre économique, social, mais beaucoup plus de la responsabilité des parents. Et on parle du chômage, lutte contre la pauvreté, lutte contre l'alphabétisme. Tout ça, il faut associer la formation technique et professionnelle. Au niveau du ministère de la Formation professionnelle des métiers de la Prounage, nous sommes disposés à appuyer ce projet et à apporter notre contribution technique, modeste soit-elle. Les causes de la mendicité sont connues, comme dirait l'autre, aux grands maux, les grands remèdes. Les infrastructures pour Doba, les plus hautes autorités prévoient divers investissements pour non seulement donner à la ville une fière allure, mais aussi pour booster l'économie dans la zone et partant sur l'ensemble du territoire national. Ceci passe aussi par la construction des voiries urbaines. La première phase a démarré. Le signal marquant le démarrage des travaux a été donné par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr. Idriss Sali Bachar. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de pose de première pierre de construction. Remadi Orion Odette. Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, représentant le président de la transition, a posé un acte salutaire dans la ville de Doba. 15 principaux axes des différents quartiers, totalisant un linéaire de 15 km, seront aménagés et bitumés dans les voiries urbaines de la ville de Doba. Un projet salué par le gouverneur de la province du Logon oriental, Ahmad Dari Basil. Le directeur de la voirie urbaine de Balbé, Bebnone de la Joua, explique les données techniques du dit projet. Le corps de la chaussée est constitué d'une couche de fondation en grave latéritique d'épaisseur 20 cm, une couche de base en concassé 0,31.5 d'épaisseur 15 cm, une couche de roulement en béton bitumineuse d'épaisseur 5 cm. L'ensemble sera posé sur un remblai d'épaisseur variable. L'ensemble de tous les axes seront équipés d'un éclairage solaire par des candélabres monocrosse et double crosse, des caniveaux à section variable 50 x 50, 50 x 100, 100 x 100, de part et d'autre, totalisant un linéaire à une longueur de plus de 30 000 mètres linéaires. Avant de poser la première pierre de construction, le ministre des Infrastructures a souligné que son département a reçu des instructions formelles pour la réalisation de cette première phase de ce projet. Le chef de l'État a une vision assez claire pour le développement de notre pays et particulièrement pour les infrastructures. Cette vision consiste non simplement à désenclaver, mais en même temps à faciliter aux populations rurales le déplacement dans les différentes villes et particulièrement tout ce qui concerne les inondations. Ce sont des engagements qui ont été pris par le Marshall et le président de la transition nous a instruit de finaliser très rapidement ces instructions-là. L'entreprise a été payée, l'avance des démarrages a été reçue. Il ne faut pas que notre cause pierre au nom du chef de l'État après le retour du chef de l'État qui n'ait pas de travaux. Commencer très rapidement et après aussitôt le lancement. Les travaux sont confiés à l'entreprise Sogea Satom pour un délai d'exécution de 20 mois. Le montant global s'élève à 19 673 436 323 francs CFA. Le projet est financé entièrement sur le budget de l'État tchadien. Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, se prépare activement à accueillir le président de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno. Ce lundi, de nombreuses délégations sont arrivées dans la ville et Ghislain Tianikoudou pour le film de leur arrivée.
Des délégations se mobilisent pour réserver un accueil chaleureux au président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Ce 5 juin 2023, plusieurs ont fait le déplacement de Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, pour cette toute première visite officielle du chef de l'État. Des grandes artères pavoisées aux couleurs nationales et pourvues de banderoles, la ville de Koumra s'apprête à réserver un accueil de taille au président de la République. Ces différentes délégations sont allées présenter leur civilité au gouverneur de la province du Mandoul, Dr Adam Forte Amadou, entouré de quelques cadres de la dite province. Une présentation des civilités qui a pris l'allure d'une ambiance festive. Aussitôt, le gouverneur et ses hôtes ont regagné la place de l'Indépendance où une foule est tenue en haleine par des groupes folkloriques. Dr Adam Forte Amadou et sa suite ont pris un bain de foule afin d'encourager celle-ci à se mobiliser davantage pour accueillir son président de la République avant de se retirer. Selon le maire de la ville de Koumra, par ailleurs président du comité d'organisation, Guidimba et Madiro Christian, tout est fin prêt pour accueillir le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Toutes les dispositions sont prises pour qu'il soit accueilli. Nous avons une tradition. L'étranger qui arrive doit être accueilli, puisque nous sommes appelés le peuple légendaire accueillant. Donc, le président sera accueilli à bras ouverts par toutes les filles et tous les fils du terroir. Pour le président du comité d'organisation, Guidimbaï Majro Christian, la visite du chef de l'État est porteuse d'espoir car elle permettra de trouver des solutions aux problèmes qui plombent le développement de la province du Mandoul. Le gouverneur du Mandoul s'est exprimé sur la mobilisation pour l'accueil du président de transition. Suivez un extrait de ses propos. La province est en train de se mobiliser pour accueillir le chef de l'État, le président de transition, qui séjournera avec nous. Et vous aurez certainement constaté que depuis quelques jours, la ville a commencé à bouger. Et les différents départements ont commencé depuis hier à faire venir leurs représentants pour accueillir le chef de l'État. C'est déjà quelque chose de très bien, parce que ce n'est pas chaque jour qu'on accueille un chef d'État. Et le Mandoul est prêt pour accueillir le chef de l'État. Également, ça permettra à la population aussi de présenter un certain nombre d'alliances, surtout afférentes au développement de la province. Donc, chose qu'on va transmettre fidèlement au chef de l'État, toutes les revendications de la population, pour que la province puisse bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures sociaux de base. Vous savez, nous, au niveau du Mandoul, on a des départements qui sont aussi très jeunes. Ces départements très jeunes qui sont créés récemment demandent beaucoup d'infrastructures parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement en termes d'infrastructures. Nous avons, vous prenez la Moula, vous prenez le Goundi, vous prenez le Théranas, tout ça. C'est pratiquement des départements qui n'ont même pas des infrastructures pour accueillir l'administration. Et quand vous prenez par exemple un département comme la Moula, pendant la saison de pluie, quand tu quittes Dembo pour venir à Koumra, tu es obligé de passer par Sarifare dans une autre province pour venir parce qu'il y a un problème réel des infrastructures qui se posent. Là aussi, il y a des doléances qui devront être faites auprès du chef de l'État pour que ces populations soient soulagées. Quand vous prenez Goundi qui n'est pas loin à 65 km, pendant la saison de pluie, aller à Goundi c'est un parcours de combattants. Et là, relier Goundi au chef-lieu de la province devient vraiment une nécessité parce que Goundi, c'est pratiquement une zone également d'agriculture et une zone de production aujourd'hui du miel, de beaucoup de choses. Vous voyez un peu, si elle est isolée, elle n'a pas d'infrastructure, ça pénalise. Pendant la saison de pluie, pour aller à Moïsala, tu es obligé de faire toute une demi-journée pour 100 km. Donc, alors qu'il y a des promesses qui ont été faites pour les infrastructures routières, c'est des alliances qu'on va porter à l'attention du chef de l'État. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que vous prenez les infrastructures scolaires, également la question de l'accès à l'eau potable. Certainement, le chef de l'État viendra avec une solution d'eau potable, mais c'est aussi la préoccupation de la population d'avoir accès à l'eau potable également. Au sujet justement de cette tournée du président de la République, quelques citoyens ont manifesté leur joie et attente. Suivez leur impression.
Nous, les femmes du Mandou, nous sommes très, très contentes de l'arrivée de notre Excellence. Parce que ça fait longtemps qu'on attend son arrivée. Nous demandons à son Excellence les machines pour nous permettre de faire fabriquer les beurres de karité, les savons. Nous sommes très contents de l'arrivée de notre président. Il est chez lui. Dans la ville de Koumra, on a des problèmes énormes. Le problème d'eau, le problème d'électricité, surtout la jeunesse, est oubliée complètement. Il finit avec ses études, il revient, il reste dans sa localité. Nous voulons à ce que le président réfléchisse pour cet aspect-là. Nous sommes là pour la cohabitation pacifique. Nous sommes très heureux pour l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il y a beaucoup des orphelins qui n'ont pas d'aide. Il y a des filles mères qui n'ont pas d'aide. Et si les enfants la parlent comme ça, le Tchad de demain va être comment? Nous, on pleure pour les jeunes qui n'ont pas d'emploi, pour les filles mères, pour les orphelins et les veuves. Par rapport à des conflits, on demande à ce qu'il nous résout ce problème. On veut qu'il y ait cohabitation pacifique. On ne veut pas la guerre. On a assez pleuré. Nous jeunes, nous attendons aussi impatiemment son arrivée. Nous avons nos attentes et nous avons des préoccupations et des propositions à faire. Nous voulons aussi que les stades qui sont inachevés, les hôpitaux qui sont inachevés, toutes les infrastructures qui sont inachevées doivent au moins être achevées pour que la jeunesse puisse avoir son compte dedans. Il doit au moins faire de son mieux pour que nous ayons l'université dans ce Mandoul parce que le Mandoul forme beaucoup de jeunes. Les cadres ressortissants de la province du Mandoul ont tenu une rencontre sous la conduite du gouverneur. À quelques heures de l'arrivée du président de la République, ils se sont donné des consignes afin de réserver un accueil mémorable au chef de l'État. Amine Alarabaï. C'est pour évaluer l'état d'avancement du préparatif de l'organisation de l'arrivée du président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, en visite dans le Mandoul. En présence du gouverneur de la province du Mandoul, Dr Adam Forteuil Amadou, par ailleurs président d'honneur du comité d'organisation, les cadres originaires du Mandoul, membres de la mission conduite par la ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, Amina Priscille Longo, se sont relayés pour encourager le comité d'organisation, les jeunes forces de mobilisation et les femmes des différentes associations et groupements de s'engager pour réserver un accueil chaleureux au président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, le 6 juin 2023 à Koumra. La ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, Amina Priscille Longo, a rencontré ce matin les femmes des groupements et associations de la province du Mandoul. La mobilisation en vue de donner un éclat particulier au séjour du président de transition est au centre de cette rencontre. Amina Larabaï. C'est pour exprimer leur joie et leur disponibilité d'accompagner le président de transition dans ses actions en faveur des Tchadiens sans distinction que les associations des femmes musulmanes ont rencontré la ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, Amina Priscille Longo. À chaque prise de parole, les femmes témoignent les œuvres réalisées par le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Tout de même, les femmes qui s'apprêtent à accueillir avec fierté et honneur le président Koumra recommandent auprès du chef de l'État la construction des infrastructures, notamment les universités, pour aider les jeunes d'accéder aux études supérieures et réjouissent de leur création de l'Agence nationale de promotion et protection des droits des personnes handicapées et sollicitent voir l'Agence provinciale du Mandoul. Tour à tour, la ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, Amina Priscille Longo, se trouve dans une joie des danses organisées par le groupement des femmes battantes du Mandoul qui ont démontré les danses qui, pour elle, est un échantillon pour accueillir le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno à Koumra. Dans les mêmes besoins, les femmes apprécient les efforts du chef de l'État, mais attendent en lui sa qualité du père des nations, l'intégration des jeunes diplômés à la fonction publique, mettre à leur disposition des microcrédits pour mener les activités génératrices de revenus, la construction des routes et l'arrangement des pistes pour permettre aux femmes battantes de se procurer sans difficulté.
Toujours dans le cadre des préparatifs pour l'accueil du chef de l'État dans la province du Mandoul, le secrétaire général, quatrième adjoint du mouvement patriotique du salut, chargé des finances, Ahmad Tayro Issa, se trouve à Koumra. Il est sur place pour revitaliser la base en vue d'une grande mobilisation. L'accueil qui lui est réservé laisse entrevoir ce qui va se passer le jour J. Amina Larabaï. Accueilli à sa descente par le secrétaire exécutif provincial du MPS du Mandoul, Dinaïba Miangarko, et les militants et militants du mouvement patriotique du Sali, le secrétaire général du MPS 4e adjoint chargé des finances et du budget, Ahmad Tayro Issa, est aussitôt conduit à la résidence du gouverneur pour présenter les civilités au gouverneur de la province du Mandoul, le docteur Adam Fortey Amadou, et les remercie pour son dynamisme dans l'administration. Chemin faisant, le secrétaire général du MPS 4e adjoint, Ahmad Tayro Issa, a échangé avec les militantes et militants, surtout les réalisations et la volonté du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, de maintenir la paix, développer le Tchad et sa sécurité, que le MPS décide de déployer ses militants pour appuyer l'organisation afin de réserver un accueil chaleureux au président de la République, chef de l'État. Le secrétaire provincial du MPS du Mandoul, Dinaïba Miangarko, et la ministre des gens et de la solidarité nationale, Amina Priscille Longou, tous ont confirmé que les militants sont prêts pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Des pas danse et des mobilisations donnent un avant-goût pour accueillir le président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, dans le Mandoul. Tout autre chose à présent, le premier ministre de transition, Salih Kebzabo, a partagé un dîner d'affaires, a offert, j'allais dire, un dîner d'affaires le samedi dernier avec les opérateurs, aux opérateurs économiques et partenaires du Tchad, en présence de plusieurs membres du gouvernement. C'était une occasion pour le chef du gouvernement d'Union nationale d'échanger directement avec ses différents acteurs pour ensemble recenser les problèmes qui les empêchent à investir au Tchad. Initiative encouragée par les opérateurs économiques qui souhaitent la pérennisation de ce cadre d'échange. Adoumbé Hortense. Les opérateurs économiques doivent jouer un rôle très indispensable dans l'essor de l'économie tchadienne, surtout en matière de création de richesses et d'emplois, car l'État à lui seul ne suffit pas. Mais du point de vue du Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, Salih Kebzabo, les opérateurs économiques n'interviennent pas assez de nos jours, ou pas du tout, aux côtés du gouvernement dans de nombreuses situations, d'où l'organisation de ce dîner, le premier du genre, réunissant tous les opérateurs des différents secteurs de l'économie et partenaires du Tchad le samedi 3 juin 2023. Les échanges étaient directs et francs entre les opérateurs économiques, membres du gouvernement et le premier ministre lui-même. Pourquoi ne voulez-vous pas investir au Tchad? De quoi avez-vous peur? Qui viendra le faire à votre place pour donner de coups de pouce à l'État? Pourquoi n'investissez-vous qu'à l'extérieur? Voilà les interrogations qui sont soulevées par le chef du gouvernement. Les ministres et moi personnellement sommes ici pour beaucoup plus vous écouter afin de déceler les goulots d'étranglement aux contributions des secteurs privés au Tchad. Les représentants des opérateurs économiques ont d'abord loué l'organisation de cette toute première initiative qui consiste à les réunir autour d'une table et ont encouragé le chef du gouvernement d'Union nationale à la rendre pérenne au bénéfice du développement du pays. Plusieurs d'entre eux ont, au nom de leur secteur d'intervention, souligné les difficultés allant des flambées des prix des produits pétroliers aux taxes exorbitantes jusqu'au non-respect des tests en matière de règlement des différends par les magistrats, occasionnant de nombreuses condamnations. Ces acteurs ont à cette occasion interpellé les autorités à plus de vigilance et de responsabilité dans la gestion économique du pays. Après avoir écouté avec beaucoup d'intérêt ces différentes interventions, le Premier ministre Salih Kebzabo a tenu à lever le voile sur quelques points d'ombre. Il a par exemple rappelé l'exonération de tous les droits d'importation sur les véhicules, des petites marques et sur le ciment, mais le prix reste inchangé sur le marché.
le ministre des Finances, du Budget et des Comptes Publics, Tahir Hamid Ngiling, a complété que l'État est le plus condamné à payer des sommes exorbitantes ces derniers temps au terme de procès qui, quelquefois, non fondées. Des mesures contraignantes concernant le secteur des hydrocarbures seront envisagées dans les jours à venir. Elles seront dures, mais le gouvernement est obligé et vous devez les accepter, prévient Salih Kebzabo. Il faut que les opérateurs économiques tchadiens se débarrassent du commerce archaïque qui consiste à trimballer de l'argent dans des sacs ou de le garder à domicile. Pour le chef du gouvernement, l'État tchadien a l'obligation de protéger les intérêts des opérateurs économiques en résolvant leurs problèmes tant au niveau national qu'international. Par cette initiative, le Premier ministre Salih Kebzabo implique davantage les opérateurs économiques au développement durable du pays comme principaux partenaires du gouvernement, pourvoyeurs de richesses et créateurs d'emplois. S'il y a un classement des éléments vitaux pour inciter un opérateur économique à investir dans un pays, sans nul doute, l'énergie occupera une bonne place. C'est dans cette dynamique que la ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures chargé de l'indépendance énergétique, Dr Ramatou Outouin Mamat, a reçu cet après-midi dans son cabinet une délégation de la Banque mondiale. Le suivi et évaluation des projets en cours de réalisation financés par la Banque mondiale et le renforcement des capacités des techniciens de la Société nationale d'électricité sont inscrits au centre de cette rencontre. Suivez plutôt un extrait des propos de la ministre. Donc les points sur lesquels nous avons échangé, ça prend en compte déjà la production, mais nous avons la production pour qu'on puisse accélérer la construction des centrales en cours dans les projets. Surtout N'Djamena et les villes, les autres 12 villes. Mais au-delà de la production, nous avons insisté aujourd'hui sur le volet réseau. Il y a un grand déficit au niveau du réseau. Et du coup, il est question d'accélérer le projet PIREC et une partie du projet PAET qui permet de réhabiliter le réseau, tout le réseau d'N'Djamena et de le densifier. L'autre point sur lequel nous avons vraiment insisté, c'est assainir le secteur, le côté réforme de la SME. Et il est très important qu'on puisse avoir un contrat de performance entre l'État et la SME. Donc leur réaction, c'est qu'au niveau de la banque, ils vont accélérer les choses, mais ils souhaiteraient aussi voir qu'au niveau du Tchad, qu'on puisse aussi accélérer les choses pour mettre en œuvre ces projets-là. Mais ils sont vraiment preneurs. Par rapport à tous les points que nous venons de recenser, ils sont prêts à nous aider, que ce soit par rapport l'amélioration de la gouvernance du secteur, surtout la gouvernance de la SME, mettre en place, vraiment mobiliser des experts. Il y a aussi le retour, vraiment, ils sont très d'accord pour qu'on puisse avoir des experts qui vont aider, renforcer la capacité technique au niveau local à travers un centre de formation, ce qu'on appelle on-the-job training, et nous nous sommes accordés. Par rapport au réseau, nous sommes d'accord, les fonds sont disponibles pour que vraiment on puisse réhabiliter le réseau de la ville de N'Djamena. Retour à Doba. Après son arrivée à Doba, le président de transition, président de la République, chef de l'État général Mahamat Idriss Déby-Itno, a rencontré cet après-midi les forces vives de la province du Logone Occidental, du Logone Oriental. Un dernier développement de la transition, situation politique, sécuritaire et sociale, ainsi que les perspectives de développement sont au menu de la rencontre. Compassion, fermeté, promesse d'une sécurité retrouvée dans le Logone oriental, arborant les attributs d'une ville pétrolière, ont été les maîtres mots de la rencontre à laquelle ont assisté responsables civils et militaires, chefs traditionnels et religieux, représentants de toutes les couches de la population. Et le chef de l'État annonce une batterie de mesures pour renforcer aussi la sécurité et le développement local. Il s'agit entre autres de la création d'une zone d'opération, du renforcement du contrôle aux frontières nationales, de l'ouverture d'une enquête administrative
administrative pour déterminer les défaillances de l'administration. Tous les commandants de brigade seront remplacés par les éléments du corps de la police judiciaire et tous les présumés coupables et leurs complices seront traduits en justice, a également annoncé le chef de l'État. Les cadres de la province présents à cette rencontre, après avoir attentivement suivi le chef de l'État, se prononcent. La population est sortie pour accueillir le président de transition, le chef de l'État. Et vous savez très bien que dans la zone méridionale, il se passe beaucoup de choses et il s'est passé aussi beaucoup de choses. Et comme tel, vu la mobilisation, j'espère que cette mobilisation témoigne également l'engouement de la population à accueillir le président et pouvoir donc discuter avec lui pour pouvoir également lui poser ses réels problèmes. Donc, ici à Doba, nous sommes venus hier, les FS et les organes de masse. Donc ce matin, on est venu à la place pour accueillir le président de la République. Nous sommes nombreux ici. De nombreuses, nombreuses personnes sont sorties pour réserver un accueil exceptionnel du chef de l'État. C'est une très bonne chose. Surtout que la région attend aussi beaucoup, c'est la région pétrolière. On attend l'habitude d'accueillir les présidents. Ça peut être le président de la République pendant les campagnes, pendant les visites ordinaires. Mais c'est pour la première fois que le président de transition est en train de venir à Doba. Et donc c'est là que je place sur le signe, n'est-ce pas, d'un événement historique. C'est le moment très attendu que nous, les enfants, nous pouvons nous orienter le monde à nous. Alors, Dieu merci. Et on s'est mobilisé pour sortir aussi massivement. Vous-même, vous voyez déjà la paix. Ça prouve que vraiment, c'est un moment très attendu qu'on veut aussi. Alors, vous voyez que tous les espaces sont occupés et nous attendons l'arrivée du chef de l'État. Et nous sommes là pour lui réserver un accueil chaleureux, digne de son rang. On peut réunir notre cœur et puis on va dormir et se lever ensemble pour toujours. L'impression d'un homme satisfait. Satisfait dans la mesure où la population de l'Orient oriental est sortie dans son ensemble. Vous-même, vous êtes en train de voir que toutes les corporations sont ici représentées. Je vous invite à suivre à présent les jeunes. La province de l'Ogon Oriental, c'est l'une des provinces du Tchad. Nous avons écouté les paroles rassurantes de son Excellence, qui a promis déjà les travaux, le démarrage des travaux de bitumage de la voirie urbaine. Donc c'est déjà un acquis. Et aussi l'électrification de la ville depuis Commun. Et surtout, ce qui retient notre attention, c'est la volonté ferme de restaurer la sécurité dans notre province. Par rapport à son arrivée, il nous a rassuré qu'il doit avoir la stabilité. Nous comptons vraiment sur lui pour que cette stabilité vienne. Il faut que cette paix vienne, que le département, le Logone oriental soit vraiment dans la stabilité comme il a été dit. Nous les jeunes, si je porte ce chapeau et ce foulard, en tant que casque et ce foulard, nous sommes les jeunes. En tant qu'un futur président qui a décentré l'un pour venir ici, c'est pour nous faire notre honneur, nous les jeunes. Mais nous savons qu'il est venu pour changer notre député. Donc nous s'associons avec lui à ce que demain, notre Doba, ville pétrolière, ça ne serait pas maintenant les autres villes. Nous voulons qu'il y aura changement. Nous sommes là pour lui. À ce qu'il se regarde, il nous regarde à ce que demain, le Tchad de demain, ça ne serait pas au Tchad de demain, mais nous voulons que ville pétrolière Doba, là, ça ne serait pas Doba de l'ancien temps. Mais ça serait pour le moment Idriss Déby Itno. Nous, les clans de Maine, on aide aussi la sécurité pour un bon travail. Ça fait partie du développement. Mais nous n'avons pas d'abord des appuis. Comme vous, il vient de dire là, c'est très bon. On remercie comme ça. Nous aussi, on est prêts à les aider. Nous aussi, on est prêts à l'aider. La lecture de quelques communiqués avant de poursuivre.
L'ambassade mission permanente du Tchad en Suisse annonce l'ouverture ce lundi 5 juin 2023 à Genève de la 111e session de la conférence internationale du travail. Le Tchad est représenté à cette conférence par le ministre de la fonction publique et du dialogue social, Abdoulaye Mbodoumbami, qui conduit une délégation tripartite, travailleurs, employeurs et gouvernement, avec l'appui de l'ambassadeur Amat Makaila. Le ministre Abdoulaye Mbodoumbami représentera le chef de l'État au segment de haut niveau sur le monde du travail. Le ministre saisira cette occasion pour faire un plaidoyer auprès des partenaires, à la fois pour le renforcement des capacités humaines et institutionnelles et la mise en place d'un ensemble cohérent d'actions tendant à renforcer le cadre du dialogue social au Tchad et de pérenniser les acquis sociaux. Fait à Genève le 5 juin 2023, l'ambassade mission permanente du Tchad en Suisse. Notre communiqué, sachez que la capitale économique de la République de Côte d'Ivoire abritera du 7 au 8 juin 2023 un colloque international sur le thème « Quelle approche commune des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine et la Guinée face aux plateformes numériques ?» Le Tchad est représenté à cette rencontre internationale par le président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, AMA, M. Abdrahmane Barka Abdoulaye Doningar. Le communiqué donc porte la signature du rapporteur Assimi Hassan Al-Helou. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Asile Kalata, a fait une descente à Sokolo dans le 9e arrondissement de la capitale. Ce matin, il est allé constater l'état d'avancement des travaux de rénovation de la digue prévue sur un délai de 3 mois. Madissim Anastasie Bissi. Une semaine après le lancement des travaux de construction des digues dans le 9e arrondissement, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Asilek Alata, revient sur ses pas pour constater l'évolution des travaux de rénovation. Les travaux débutés sur PK0 sont en phase de terrassement sur une distance de 3 km. Nous sommes venus constater de visu que l'entreprise qui a été désignée par la hiérarchie est en train de faire le travail. Ils sont déjà, comme vous le voyez, la digue est derrière moi et a s'est montée. Elle montera au fur et à mesure. C'est une digue route. C'est pas une digue comme on a connu de paravent. C'est une digue route où des voitures peuvent circuler dessus, où des personnes peuvent marcher. Le ministre rassure la population que des dispositions sont prises pour contrecarrer les eaux de pluie cette année. Cette période de crue, nous ne l'observons pas au mois de juillet ou août. C'est bien après. C'est pourquoi nous disons que dans les 3 mois, si la digue est finie, elle pourra évidemment sauver la population. Des cas sporadiques peuvent y avoir. Mais encore, pour vous rassurer, au niveau du ministère, comme pendant les réunions de crise sur l'inondation dont je préside, interministérielle, nous pensons avec, que ce soit le génie militaire, que ce soit avec l'apport de forces françaises, que ce soit avec la mairie, ou tous les partenaires, pour pouvoir endiguer là où l'année dernière, on a vu qu'on avait quelques problèmes où l'eau passait. Le ministre insiste sur le respect du délai d'exécution des travaux de 3 mois et demande l'indulgence et la contribution de la population pour la réussite du dit projet. Solution à la pollution plastique, c'est le thème de l'édition 2023 de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée ce 5 juin. Ce matin, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Ahmad Abdelkerim Anno, a fait une déclaration. Il invite la population tchadienne à plus de responsabilités. La Journée mondiale de l'environnement 2023 nous rappelle que les actions des citoyens en matière de pollution plastique sont importantes. Il est temps d'accélérer les mesures existantes et de passer à l'amélioration de l'économie circulaire. Soucieux de la protection de l'environnement et d'assurer un développement durable dans un environnement
préservé, prôné par les plus hautes autorités, le Tchad a pris des mesures interdisant les emballages plastiques non bio dégradables dans la ville de Mbeumena. Celles-ci viennent renforcer la loi adoptée en 1992 qui interdit l'importation des sacs plastiques au Tchad par la création de comités provinciaux pour la protection de l'environnement et comités provinciaux pour la protection de l'environnement dans la ville de Mbeumena. Très conscient des défis à relever de la dégradation de l'environnement, le Tchad s'associe à d'autres pays du monde en contribuant à la réflexion internationale afin de parvenir aux résolutions appropriées en matière de lutte pour réduire, sinon éradiquer, le phénomène de dégradation de l'environnement. Parlons à présent du brevet d'enseignement fondamental. La première épreuve écrite de l'examen est lancée officiellement ce matin. Kadnouba Théophile. Le brevet d'enseignement fondamental, BEF, est lancé officiellement ce matin au lycée féminin 6 au 5e arrondissement de la ville de N'Djamena. La secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique, Geldje Liliane, qui a procédé au lancement, appelle les 108 629 candidats, dont 67 549 garçons et 41 080 filles, qui composent cet examen dans les 442 centres répartis sur l'ensemble du territoire national, à la discipline et à la sérénité. Chers élèves, bravo parce que vous avez aussi bien commencé l'année. C'est le moment de l'évaluation. Le délégué provincial à l'éducation nationale de N'Djamena, Mamad Djibrine Salé, s'est réjoui de l'engagement des enseignants qui ont donné le meilleur d'eux pour finir en beauté le programme scolaire de l'année. C'est le lieu de les féliciter et de les encourager à faire davantage. Rien que pour la ville de N'Djamena, ce sont 31 312 candidats qui composent dans les 79 centres d'examen retenus. Le 443e centre se trouve à Jeddah, en Arabie Saoudite, où composent 36 candidats. Les épreuves écrites de ce brevet d'enseignement fondamental dureront 4 jours. La coordination générale du passage de l'audiovisuel analogique au numérique a réceptionné ce matin au siège de l'ONAMA des matériels de diffusion de radio et télévision dans le cadre du projet de télévision numérique terrestre. C'était en présence de la secrétaire générale par intérim et de l'inspecteur général du ministère de la Communication. Youssouf Abderrahman Aligat. Ces équipements de diffusion fournis par la société Soajok Tchad, composés des émetteurs radio et télévision, des ondulaires, panneaux d'antenne, des feeders et des accessoires qui serviront, une fois installés, à booster le programme des stations de l'ONAMA à travers un bouquet. Cette réception est partielle et provisoire car une autre fourniture sera entendue. Le coordinateur général adjoint du passage de l'audiovisuel analogique au numérique demande à la société Sajoc de fournir les restes du matériel dans les meilleurs délais. Et les équipements que vous voyez ici, ce sont des équipements ultra-modernes. Ce sont des équipements de dernière génération qui sont dans le 5G. Et en plus de cela, ce que nous, en tant que coordination générale de passage de l'audiovisuel analogique au numérique, et ce que nous demandons de plus haute autorité, nous sommes dans cette phase de transition. Et cette phase de transition, ça nécessite vraiment la mise en place de plusieurs infrastructures. Et toutes ces infrastructures-là, en dehors de 3 sites que nous venons de dire, il reste 5 à 10 sites. Et ces 10 sites-là sont vraiment importants. Ce qui va constituer le bouquet national, qui va vraiment générer beaucoup de revenus au Tchad, qui va générer de dans l'économie numérique. Pour la secrétaire générale par intérim du ministère de la Communication, la fourniture de ces matériels est un atout pour le développement des médias publics au Tchad. Cette réception constitue une étape très importante dans l'implantation des équipements et des infrastructures de la diffusion numérique au Tchad. Tout en sachant que, au départ, initialement, il s'agit de 30 sites de diffusion. Donc c'est une première étape
et nous comptons vraiment que les autres étapes se suivront. Ces équipements sont destinés aux trois stations de l'Office national des médias audiovisuels, à savoir Djamena, Bangor et Adré. L'installation de ces matériels ainsi que la formation des techniciens s'en suivront dans les jours à venir. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programme sur Télé-Tchad. Sol Choc.